La lumière sur une pomme dans la nature, les gens, le mouvement des gens, ce qui les porte, ce qui les pousse. La peinture d'Alexandre Raski se nourrit de la vie. La sienne, celle des autres, tout l'inspire, à commencer par le quotidien. Hier, j'ai rangé l'escabeau et il y avait ce maillot dessus qui est tombé. Et j'ai fait autre chose. Puis j'ai regardé et j'ai vu une tête. Mais je ne sais jamais comment ça va se passer. C'est... Là, pour l'instant, j'essaie de marquer ce que je vois. On a des couleurs, un pinceau et la main. Et le cerveau qui décide tout. Et cette poussée du rêve ou de la sensation qu'on veut obtenir. Et c'est ce mélange qui me pousse à faire. Alexandre Raski aurait pu devenir musicien ou acteur. Il a passé 3 ans au cours Florent. Il a choisi la peinture. C'est ce que je cherche, vraiment la sensation forte. Celle qu'il y a dans le rock'n'roll, la funk, le jazz, même la musique classique, enfin. La création et l'envie de le faire, c'est l'envie, 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 il n'y a que ça. Jeter tout ce que l'artiste a dans la tête, à coups de pinceau, de couteau, sur une toile, du bois ou du carrelage. Tout est support, tout est bon à prendre. Ouais, ouais. Je vois pas pourquoi on exclurait des supports, des gens, des couleurs, des notes. Non, je crois qu'il faut casser les normes, c'est le but de l'artiste. L'exposition La Piste Noire, c'est du Rasquier vous emmène découvrir l'univers d'Alexandre. Upload, revolution principle.